Au Cameroun, un groupe d'artistes transforme la jacinthe d'eau en œuvre d'art novatrice. La jacinthe recouvre les lacs et les rivières comme un tapis d'herbe, isolant les communautés locales des zones de pêche qui leur sont vitales et affectant leurs moyens de subsistance. Cet artiste autodidacte sèche d'abord la jacinthe avant de coller les branches des mauvaises herbes séchées sur sa toile pour créer des paysages et des formes animales. Si le blanc ne fabrique pas la peinture, on ne peut pas voir certaines choses à la maison. Donc moi, je travaille avec la jacinthe pour concurrencer la peinture, pour que les Africains aussi doivent avoir quelque chose de la maison qui ressemble à la peinture du blanc. C'est pour cela que moi, je fais ça. Je préfère laisser la peinture et travailler avec la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau reste une herbe nuisible et tenace dans plusieurs pays africains. Les grandes fleurs violettes forment un tapis flottant qui étouffe la vie marine et réduit la population de poissons. C'est un diable justement parce que ça va loger dans la mangrove, là où les poissons se pondent les œufs pour se reproduire. Et donc depuis lors que cette plante s'installe dans les eaux, on a moins de poissons parce que les poissons fuient. Bon, maintenant, on a décidé de les récolter, mais ça devient en même temps un ange maintenant, parce que quand on récolte la jacinthe d'eau, on sèche, on prend pour faire du compost, l'autre on sèche pour faire de la matière, pour faire des œuvres d'art, faire le sac, fabriquer des tapis. Le centre d'art aide les artistes à commercialiser leurs œuvres, dont certaines se vendent à plus de 100 $. Pendant le week-end, les enfants sont aussi invités à venir en apprendre davantage sur la jacinthe d'eau. Je suis venue ici là pour apprendre comment utiliser la jacinthe d'eau, parce que la jacinthe n'est pas une bonne plante. Elle chasse les poissons sur l'eau. Et c'est pour ça que je suis venue apprendre comment on utilise la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau sévit dans divers pays dont l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria et la Tanzanie. Les écologistes plaident pour des moyens plus novateurs permettant de la transformer en art, en mobilier et même en énergie verte.